j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode. J'ai dit vraiment la même chose dans toutes mes intros. Aujourd'hui, on est mardi, troisième épisode de cette vlog week pour ceux qui débarquent. Je suis obligée d'expliquer à chaque début de vidéo. La vlog week, c'est un épisode par jour, pendant 7 jours, dans une nouvelle destination à chaque fois. On est à Tokyo cette semaine, la destination de mes rêves. Et en plus, je vous fais gagner un voyage au Japon sur Instagram. Donc, allez checker si jamais ça vous intéresse. Pour ceux qui ont vu l'épisode d'hier, ceux qui l'auraient loupé, je vous le mettrai à la fin de ce vlog. J'ai dormi dans un hôtel capsule à Tokyo. C'était une expérience très très bizarre. Et du coup, update, parce que je me suis réveillée là-bas ce matin et je vous ai dit que je vous dirais comment j'ai dormi. À ma grande surprise, j'ai trop bien dormi. Je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que ça allait être horrible, que j'allais me réveiller 50 fois parce qu'il allait avoir du bruit et ci et ça, mais pas du tout. Franchement, incroyable, je recommande du coup à 100%. Je vais pas trop m'éterniser sur le sujet parce qu'il y a des gens qui ont cliqué sur cette vidéo pour une bonne raison, mais c'était incroyable. Du coup là, je suis vite rentrée à la maison, j'ai pris un petit matcha, un petit truc ce matin parce que je voulais quand même me préparer à la maison. Enfin, j'avais pas pris genre mon make-up, une autre tenue et tout parce que sinon ça c'était chiant. Je commence à avoir faim parce que je crois qu'il est genre midi déjà, ça passe tellement vite. On va aller manger un petit truc vite fait. Aujourd'hui, ça va être une vidéo food. Hein. Je sais que vous aimez ça. Je pense que ce sera la vidéo food de cette chaîne YouTube. Je vous donnerai plus de détails un peu plus tard. Je reviens pas qu'on fasse ça. Genre, ça va être fou. Aujourd'hui, il pleut. Bon, on s'y attendait parce qu'il pleut tous les jours. Mais il faut savoir qu'il pleut aujourd'hui, demain et après, c'est grand soleil. Parce qu'en vrai, il y a des parcs de ouf, des trucs à faire. Je me dis, autant les garder pour les jours où il fait beau. Mais c'est vraiment le seul endroit dans ce monde où je m'en fous qu'il pleuve. La pluie, c'est chiant. Genre, ça te rend aigri, t'es mouillé, t'as froid. Et bah ici c'est un mood. Je le dirai dans toutes les vidéos jusqu'à ce que vous compreniez que je suis contente qu'il pleuve. Du coup, outfit du jour. Ça va plus du tout, j'ai essayé de faire le focus mais... D'ailleurs, est-ce que le focus bug? Parfois j'ai l'impression que ça bug, je sais pas trop pourquoi. Dites-moi si vous avez remarqué un truc dans les précédents vlogs. Bref, outfit du jour, petit haut, petit jean, petit manteau, petit sac. Non, vas-y. C'est chiant, je suis obligée de rajouter le mot petit tout le temps. Faut manger un truc très léger pour qu'on se réserve pour le repas. Putain, ça, ça a l'air incroyable. Sushi géant. Enfin, qu'est-ce qu'on va manger? Un truc sans riz, c'est dur à trouver là. Oh my god, melon pan. Comme par hasard, on peut pas en manger aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut pas beaucoup manger jusqu'à ce soir. Sinon, je prends un mini sandwich. Sandwich au raisin? Mais non. Pineapple, peach. Sandwich raisin, pomme, pêche. Et ananas. Avec la crème sautillée. Mais non, c'est un bon meuf. Je crois que je vais prendre un mini sandwich. C'est le seul truc sans riz en fait. Arrête avec tes saucisses, ça veut dégoûter. Non, des saucisses de poisson, c'est pas possible. Oh my god, prendre ça, jambon concombre. Et avec, on va prendre un mini truc à grignoter, genre des mini chips bizarres. Des chips panda, tu vois. Pringles version d'ici. Et toi, t'as quoi? Jambon fromage. J'accepte qu'on prenne un dessert que si c'est un melon pan. Comme ça, on goûte pour la vidéo. Go! Unboxing. Potato. Tu l'as bien fait chaud. Putain, ça a l'air trop bon ton truc. Bah, bien sûr, c'était sûr, regarde, ça se voit que c'est trop bon. Concombre, nanan. Melon pan, putain, ça c'est vraiment une dinguerie. Mais vas-y, appuie pas dessus. Mais j'ai même pas appuyé dessus. En plus, c'est mon dessert. C'est pour que tu goûtes que je te. Pas. Non, je vais pas. On s'est posé dans un petit parc. Dites-moi en commentaire, est-ce que je vous fais un haul, genre un soir, genre 7-Eleven? C'est là où il y a tout. Il y a vraiment tout à manger. J'achète plein de trucs et on goûte tout. J'aime trop faire ces vidéos-là. Ça sent les Pringles. Goûtons. C'est genre moins salé que des Pringles. Vous savez pour combien on en a eu? 5,60€. Pour tout ça. 5,34€. 5,34€. J'ai inventé le 60. Ouais. It's time to melon pan. Je vous jure, j'en ai mangé plein dans des petites épiceries japonaises à Paris. Bon, évidemment, ça peut pas être à 100%. Il est fluffy. T'as vu? C'est fluffy en fait. Ouais. Nous, ils étaient durs ceux qu'on mangeait. C'est trop bon. T'as vu comment c'est trop bon? Ah, mais il a un goût de ouf. T'as vu? Il a un goût de bonbon. Un goût? Ouais, il a un goût de bonbon, c'est peut-être pas un normal. En gros, c'est un espèce de pain brioché. J'en mange une petite bouchée. Je te. T'en voulais pas trop? Non, je vais pas. Trop bon. Putain, je pourrais manger ça matin, midi, soir. J'ai trop envie de goûter le Fanta. Fanta quoi? Tu crois? Raisin, ouais. Ah, il y a de la soupe au maïs. Chicken ginger soup, mais putain, mais c'est incroyable. Waouh! J'ai eu un temps de retard sur chaque action. Merci. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est de l'eau. Mais en canette genre. En canette? Attends, une canette avec un bouchon. Ouah, l'odeur je sens d'ici. Ah mais non, mais attends Jérémy. Ah mais je sais pas comment tu peux voir ça. Ah moi j'aime pas les trucs sucrés. Trop sucrés. Ah c'est dégueulasse. Ah ça a l'air horrible. Ouais. Comment tu fais? T'es sérieux? Mais c'est pas bon, c'est... Non, oh, c'est bon. C'est un shot. Je suis désolée si vous buvez des boissons sucrées, genre trop sucrées, je n'y arrive pas. Non mais ça c'est spécial. Mais attends, il y a marqué Coca-Cola. Ah non, from Coca-Cola. Oh mais c'est recyclé. C'est de l'eau purifiée genre. Des toilettes. Elle est bonne? Ouais.
Butsu. En direction de Shinjuku, c'est un quartier grave cool. Genre c'est un petit peu plus moderne que ce qu'on a fait jusqu'ici. Bah, en vrai on y allait grave rapidement l'autre jour, juste avant les vlogs. Et je trouvais ça trop mignon, trop bien. On va essayer de faire un 4 cafés. Alors gros disclaimer, comme en 2012 sur YouTube. Au Japon, il y a plein de 4 cafés, dog cafés et malheureusement plein de choses pas ouf du tout. Je voulais vraiment le dire parce que ça peut être impressionnant ou quoi de voir des cafés avec... Chouette café. Chouette, ouais, avec des chouettes. Il y a plein de chouettes café. Avec, j'en sais rien, enfin... Pingouin café. Pingouin, ouais, voilà, ouais. Putain, pingouin café. Il doit y avoir des tortues café. J'ai vu un bébé pig café. Ouais, bon bref, ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. Je voulais vraiment trouver un café qui est bien pour les animaux. Il y a des 4 cafés, tout l'argent est pour les animaux et pour ci et pour ça. Il y a aussi, bah, à l'inverse, des 4 cafés qui exploitent les animaux et qui s'en occupent pas et compagnie. Donc vraiment, faites très attention où vous allez parce que ça peut être tellement hors du commun de voir plein de trucs de ouf. Mais faites attention, les animaux avant tout. Bref, en tout cas, on va essayer de trouver ça. Et du coup, on va aller là-bas, à Shinjuku. Et c'est grave cool, vous allez voir comme quartier. Shinjuku, on arrive. On est à la gare de Shinjuku. C'est l'une des plus grandes gares du monde. Et genre, il y a 200 sorties. C'est improbable. Il y a 3,5 millions, je crois, de personnes qui passent par jour. C'est immense. Dans toute la ville, partout, il y a marqué no smoking. Genre, à moins qu'il y ait des zones spéciales, en tout cas, j'en ai pas vu. Mais dans la rue, t'as pas le droit de fumer. Du coup, il y a ça. C'est le smoking area. C'est improbable. De dormir avec une patte qui pendouille. C'est trop mignon en fait, tu peux venir pour travailler. T'as des petits livres à lire, tu peux prendre un petit café, t'as des plaids. Oh, il est un chat qui est énorme. Coucou. On peut acheter de la glace pour les chats. Il est trop beau. Oh, personne ne veut me faire des câlins. Et c'est super grand et il n'y a pas trop de chats, donc ça va. Franchement, j'avais un peu peur. On est à Harajuku. Et là il y a Marion Crêpe. C'est genre un truc hyper hyper connu de crêpes. Vous en doutez. Et genre regardez tout ce qu'il y a. C'est un délire. Faut trop qu'on goûte en vidéo. Là on peut pas parce que vous savez. Mais je pourrais tout manger là. Faut trop qu'on revienne genre un soir quand il fait nuit et on goûte toutes les sucreries. T'es okay, chaud? Let's go. Ça me va. Il faut attraper quoi? T'en attrapes un et t'as un cadeau genre. Mais attends, faut payer. Bah oui. Non, c'est gratuit. Bah non, mais moi je suis chaud pour payer. Ok, donc en gros là on doit choisir celui-ci ou celui-ci. Ça c'est un Shiba. Et ça c'est une loutre, non? Je suis chaud pour une loutre. Ouais, la loutre elle est trop mignonne. A green is green. Ok, faut que tu prennes un verre. Non, vas-y, fais le tour. On est vraiment les pires touristes. C'est facile. C'est bon ou... Vas-y, vas-y. Tu voulais faire durer le suspense. Ouais, bah ouais. Ah. C'est en 4. Ah, ça se trouve, c'est super. Non, non, celui. Ah, c'est la taille. Oh, on a les plus gros. Non, c'est les deux les plus gros. Lui, il est trop beau. Thank you. J'aime trop. Putain, il est tellement doux. On est encore plus content que la petite qu'il a gagnée tout à l'heure. C'est un truc de ouf, comme ici, ils aiment trop Halloween. On va y être trop Halloween. Non, on parle le 30, c'est le 31 Halloween. Ah, mais non. Si. Ah, tu viens ici le 31, ça doit être incroyable. Ouais, j'avoue. Jérémy, avant même qu'on soit arrivé, il me parlait déjà de prolonger, mais nous avons un chat à rejoindre déjà. On a une famille et on a des choses à faire. On ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Du coup, le programme de ce soir, l'expérience de ce soir, vous allez voir, je voulais absolument faire ça au Japon. Vous savez que j'aime trop les vidéos de tests nourriture à Paris, enfin il y a trop de trucs à faire, sauf que j'ai eu un énorme coup de stress parce que l'annonce des réouvertures des frontières et compagnie a fait que on a su au dernier moment qu'on partait. Donc pour moi je me suis dit bah on va trouver les meilleurs ou le plus cher sushi.
filles du Japon, de Tokyo en tout cas. Donc je regardais les sites et tout, et là, la panique. Genre il y avait des trucs qui avaient marqué, il faut réserver 6 mois en avance, mais vous ne pouvez pas réserver si vous n'êtes pas dans tel hôtel et que la personne ne... Genre en gros, les meilleurs sushis ou les sushis... En fait, les sushis de luxe, c'est dead. Genre vraiment, c'est des mois et des mois en avance. Donc on a commencé à contacter des gens au Japon et tout. Enfin bref, la semaine dernière, littéralement, on n'avait pas de réservation. On a contacté plusieurs guides français au Japon. Et entre autres, là, on a trouvé un guide japonais qui parlait français, qui nous a dit, je peux essayer de gérer ça pour vous. Et en fait, moi, je me suis dit, bah, je sais que dans les sushis un peu luxueux, t'as le chef qui cuisine devant toi, qui prépare tout, et qui te décrit ce qu'il fait, et qui te sert au fur et à mesure. Sauf que déjà, les Japonais, en général, ne parlent pas un mot d'anglais, et moi, je parle pas un mot de japonais. Donc, je me suis dit, ça va être un peu compliqué s'il me décrit un peu tout, comment je vais faire pour savoir exactement ce que c'est, etc. On s'est dit que ce serait une trop bonne idée qu'ils viennent avec nous, et comme ça, ils pourraient nous traduire au fur et à mesure ce que c'est, comme ça, moi, je pourrais vous dire aussi en vidéo. Donc, on a décidé de faire ça. J'avais très peur du prix, je vais pas vous mentir, parce qu'on est sur des sushis de luxe. Alors, c'est cher, mais c'est pas genre inaccessible. Ça peut se faire si, genre, vous rêvez de ça. Vous pouvez, une fois dans votre vie, le faire. C'est 230€ par personne, hors boisson. On parle vraiment du plat, enfin, du repas. On est quand même dans un truc luxueux. Genre, dites-vous bien, je crois qu'il y a que 7 places dans le restaurant. C'est fou. D'après le guide, c'est dans le top 10 des. Enfin, pour lui, c'est vraiment dans les meilleurs sushis du Japon. Enfin, c'est pas. Et c'est en japonais. C'est quoi, on tient à le dire, oui. Ah oui. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais pour moi, c'est évident. Genre, tu choisis rien, c'est tout. C'est le chef qui prépare, qui te fait découvrir des choses. Enfin, il nous avait demandé qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, etc. J'ai dit, moi, mettez-moi tout. Genre, je veux tout découvrir parce que, genre, je sais que déjà, rien que le ton ici, enfin, c'est complètement différent genre, de ce qu'on a en France. Enfin, je voulais tout goûter. Voilà. Donc, on va voir. J'ai trop hâte de voir. En plus, je meurs de faim. C'est ici, pour l'instant c'est fermé, ça ouvre à 18h, on a genre 5 minutes d'avance. Je dirais pas qu'il y a un restaurant. Mais grave, c'est tout caché. Ouais, l'entrée est toujours fermée par un rideau. Ouais. Et s'il y a un rideau, ouais, c'est ouvert. C'est bon. Et s'il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de rideau, c'est fermé aux préparations. Ok, d'accord. Jamais vu, ni entendu parler, ni rien du tout. Tu sais combien de temps ça dure à peu près? 2 heures. 2 heures? Ouais. Ah oui. Oh, oui. À ballon, cuit à la vapeur. C'est déjà légèrement assaisonné, mais si tu veux, en fait, tu peux ajouter du wasabi ou du sel. On va goûter du coup. Oh my god. J'ose rien toucher. C'est hyper bon. C'est genre un peu caoutchouteux. Mais c'est hyper bon. On peut ajouter un peu de wasabi. En fait, vous utilisez bien les baguettes. C'est vrai? Ouais. Bah, tu sais qu'on on mange tout le temps japonais à la maison. Mais d'accord. Là, on se rend compte quand même que c'est pas la même chose qu'on mange. Mais on mange beaucoup avec des baguettes en vrai. C'est très caoutchouteux, mais je trouve ça hyper bon. C'est le genre de truc que je pense que c'est parce que c'est de très très bonne qualité. Je sais pas si j'apprécierais pareil tu vois, la texture. 2 heures, j'étais pas prête pour ça. Pas prête du tout. Donc en fait, c'est 7-8 plats comme ça. Okay. Petit plat. Okay. Et ensuite, nigiri, voilà, le sushi kos. Donc on a 7-8 entrées. Ouais. Ok. On me prépare. Et on est d'accord qu'il n'y a jamais de dessert. La plate de dessert, en fait, le chef prépare normalement une omelette légèrement sucrée. Donc c'est ça, la, c'est le plat de dessert. De fin, ouais. Okay. Ouais, c'est la fin du repas. C'est yuzu, c'est le citron. C'est le citron du Japon. Donc c'est des huîtres cuites à la vapeur avec de la ciblette et avec la sauce d'agrumes. Goûtons notre huître crue, cuite. Donc ça, c'est que les entrées. On dirait des plats, mais c'est des entrées. Très 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 bon. Ouais. Tu vois, c'est hyper bon. C'est excellentissime. Ça s'enchaîne tellement, ça va hyper vite. Si vous me donnez à manger pendant 2 heures comme ça, non stop, je vais pouvoir sortir d'ici. Les œufs de saumon et marinés au miso et légèrement cuits. Des petits œufs de saumon. Ouais. Oh mon dieu. Genre quand vous croquez, ça fond dans la bouche. On va goûter ce fameux poisson qu'on n'a jamais goûté, qui n'est pas vraiment en France. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais faire des mix entre mon téléphone et la caméra parce que je veux garder un maximum de batterie pour aller jusqu'au sushi qu'on connaît. C'est trop bon. J'ai plus envie de parler. Genre un peu fumé.
Vous voyez pas ce que je vois là. Donc ça c'est du thon. On dirait de la viande. Donc là on a des sashimi de thon. En fait il n'y a pas de sauce qu'on ajoute nous-mêmes. C'est vraiment lui qui fait sa préparation pour chaque petit plat. On peut juste ajouter du sel ou du oiseau. Et du coup là je vais goûter pour la première fois des sashimi de thon. Je n'ai jamais goûté. Enfin les vrais. En France j'aime pas trop le thon. Toute la vidéo, elle va être choquée. Ça c'est quoi du coup? C'est le macro espagnol. Ok. Un japonais c'est sabala. On va goûter du mérou et je vais goûter du macro. Je crois, enfin je sais pas si j'en ai vraiment déjà goûté. En gros le mérou c'est avec de la sauce soja, on a un petit pot de sauce. Et l'autre ça se mange avec du radis. Alors ça c'est incroyable. C'est excellent. Encore une vidéo on va dire incroyable à chaque seconde. On va goûter du saké pour la première fois. Donc tu te sers dans ton verre et ça en fait ils te mettent la bouteille pour te présenter quel saké tu bois. C'est bon. Ah c'est très bon mais c'est très spécial. C'est hyper bon. Je dirais que c'est pas comparable à... Ok, donc là les sushis, d'ailleurs, c'est pas vraiment des sushis. Nous on appelle ça sushi en France, mais c'est pas comme ça que ça se fait. Attendez, je suis en train de tout louper là. Le chincha rayé. Voilà. Et du coup, ça s'appelle des nigiri. Parce que les sushis, ça regroupe tout, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, on a un peu de gingembre. Et il faut prendre un morceau de gingembre entre chaque étape. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est pour nettoyer en fait. Ah, pour nettoyer tes doigts? Ah, oui, d'accord. Parce qu'on peut manger avec les doigts, ça, je m'en doutais pas du tout. Je mets tout dans la bouche. Hein. Je suis sous le choc, j'ai jamais mangé un truc aussi bon. C'est excellent. Le riz, il a un goût de ouf. Il a une texture parfaite. Le poisson, il est genre fondant. La sauce, tout. C'est incroyable. Et donc, faut prendre un morceau de gingembre entre chaque sushi, chaque nigiri. Il est super bon. Là, ça a vraiment le goût de gingembre trop bon. Sinon, ça a le goût de liquide vaisselle, je trouve, quand on t'en donne comme ça. Genre, c'est vrai, c'est hyper bon. Ça, c'est donc le coquillage rouge. Okay. Akagai, ouais. Akagai. Akagai. Gai. Ouais. Comme dans Naruto. Gai, ça, Gai Sensei. C'est super bon, mais c'est très spécial. C'est un peu genre dur à mâcher, mais c'est du coquillage même. C'est spécial. Le troisième, c'est Kurada. Mais ça n'existe pas en fait, c'est un vœu. Ok, donc c'est normal si on connaît pas. Kurada, c'est le représentant de sushi. Parce que chez vous, c'est plutôt sushi égal, c'est le thon rouge. Saumon. Je pense que saumon, thon rouge, mais au Japon, surtout à Tokyo, c'est Kurada. Ok. C'est vraiment très 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 bon. Je crois que ça c'est mon truc préféré pour l'instant. Ah ouais. Là on va goûter de la dorade marinée dans les algues. C'est excellent. Je suis vraiment surprise dans le bon sens parce que en vrai il y a plein de poissons différents, c'est quand même particulier. Mais pour l'instant j'aime tout. Ouais, même des trucs improbables. Je suis trop contente. Et donc ça c'est les crevettes de Nagasaki. Ouais, crevettes de Nagasaki. Goûtons. C'est trop bon, c'est genre un mélange entre du chaud et du froid. J'ai même plus de vocabulaire pour décrire tout ça. De l'oursin. De l'oursin? Oui, de l'oursin de Hamanaka, une grande île tout au nord du Japon, c'est là. D'accord, je vais manger avec les doigts parce que ça se fait et depuis tout à l'heure je teste pas. On s'attend pas du tout à ça. En fait, l'espèce de petit truc orange au-dessus, c'est limite liquide quand tu le croques, c'est un peu bizarre. Je pense que c'est le truc où je suis le moins à l'aise. Ah. Ouais, je vois. Ça reste hyper bon, genre l'algue et tout. C'est la soupe au miso, mais aux crevettes. Oh, okay. Dédicace à miso. Tu sais comment s'appelle notre chat? Notre chat s'appelle miso. Ah bon? Notre chat, ouais. S'appelle miso. Je te jure. C'est chaud, mais c'est hyper bon. Mes os, c'est trop réconfortant. Genre pendant le repas, un petit truc chaud, c'est trop agréable. Mais je dis pas que c'est des œufs de saumon. Oui. Encore. Préparé de façon différente. Okay. Comment dire? Ça absorbe l'humidité. Voilà, ça absorbe. C'est comme de la crème, genre hyper froide dans la bouche. Ça, c'est mon top 2. Thon rouge.
C'est super réconfortant. Alors, à partir de maintenant, on peut choisir combien d'étapes on est prêt à manger parce que c'est énormissime, c'est énorme. Je vous assure que j'aurais pu m'arrêter il y a très longtemps si c'était aussi bon. Ça y est, on est rentré. Comment vous, par quoi commencer, je sais pas. C'était absolument, absolument dingue. Au point que je m'en remets pas. Vraiment, si vous avez l'occasion de faire ça une fois dans votre vie, faites-le. En fait, à tous les niveaux, c'était fou. C'est-à-dire qu'au niveau de la qualité de la cuisine, de la qualité de ce qu'on nous servait, je n'ai jamais goûté des choses aussi qualitatives. Déjà, j'ai jamais payé un repas aussi cher de ma vie. L'expérience, il n'y avait pas de musique. On était 5, juste avec le chef qui décrit tout en même temps. La préparation, la technique, j'ai jamais vu ça, je vous conseille, mais à 10 000%, ça fait partie des choses dont je me rappellerai toute ma vie, je pense. Je vous mets le Insta du petit guide qui nous a accompagné, qui est trop sympa. Je sais pas si vous voulez lui envoyer un message ou quoi que ce soit. Je pense qu'en vrai, c'est grave bien de faire ça avec un guide, parce qu'en fait, il peut traduire, il connaît tout, etc. Donc c'est cool quand même. Et je suis hyper contente de cette journée, c'était fou. J'ai découvert plein de trucs. Là, il est 00h50. Je vais aller me doucher, mettre ma petite story pour vous informer que ma vidéo est en ligne, parce que de mon côté, elle sort à 1h du matin. Donc j'attends toujours cette heure là pour aller me coucher. Du coup je suis grave crevée là, j'ai trop envie de dormir. J'ai tellement, par contre, alors un truc, la quantité, j'ai même pas filmé jusqu'au bout parce que c'était beaucoup trop. Et en fait à la fin, c'est ce que je vous disais, tu peux choisir si tu continues genre le full ou si tu te calmes un peu. Franchement moi à ce moment là ça faisait déjà 2-3 étapes que vraiment j'en pouvais plus. Normalement dès que je mange trop je suis hyper mal. Là je suis juste fatiguée, donc c'est positif. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que l'expérience vous a plu aussi. Je suis toujours à fond dans les vlogs, je suis surexcitée, il y a encore des concept genre vraiment trop cool qui arrive. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste une vidéo par jour pendant une semaine et 2 vidéos par semaine en temps normal. Et n'hésitez pas à aller checker Insta parce qu'il y a un petit concours trop cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve demain à 18h dans un prochain épisode. Mouah.